j'ai découvert par hasard une vidéo où le milliardaire Bill Gates parle en visionnaire de ce qui est en train d'arriver. Il dit que lorsqu'il était enfant, les catastrophes dont on avait le plus peur, c'était les guerres nucléaires. Aujourd'hui, le plus grand risque de catastrophe mondiale ne ressemble pas à ça. Mais plutôt à ça. Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les prochaines décennies, je vous rappelle que ce discours date de 2015, ce sera certainement un virus hautement contagieux, plutôt qu'une guerre. Pas des missiles, mais des microbes. Il dit que nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie. L'incapacité anticipée pourrait rendre la prochaine épidémie bien plus dévastatrice que tout ce qu'on a connu. Il dit qu'il peut y avoir un virus où les gens infectés se sentent en bonne santé et prennent l'avion ou vont au supermarché. La source du virus peut être une épidémie naturelle ou peut-être du bioterrorisme. Il dit qu'il faut se préparer à cela, comme on prépare une guerre. Entraînement des soldats, donc du personnel médical, et préparation du matériel nécessaire comme le font les militaires avec leurs armes, c'est-à-dire recherche, stockage des masques de protection, blouses jetables et autres matériels médicaux. La dernière simulation a été faite aux États-Unis en 2001 et ça n'a pas été une réussite. Une telle préparation impliquerait une dépense minimale par rapport aux dégâts qu'une pandémie pourrait occasionner. Il dit que la Banque mondiale estime qu'en cas d'épidémie mondiale de grippe, la richesse va diminuer de 3000 milliards de dollars. Et nous aurons des millions et des millions de morts. Voilà ce que disait Bill Gates en 2015. Est-il un visionnaire ou est-il tout simplement dans un esprit logique et observateur? Vous pouvez vérifier ce que je viens de vous dire en allant voir ce discours sur YouTube. Voici le lien, mettez cette vidéo sur pause le temps de le noter. Voici mes questions. Nos hommes politiques européens n'ont jamais envisagé de pandémie? Tant il y a eu plusieurs épidémies ces dernières décennies. H1N1, hépatite, sida. Pourquoi n'ont-ils pas anticipé ce qui est en train de se passer? Bill Gates est-il la seule personne au monde à avoir envisagé cela? Ça m'étonnerait. J'ai vu sur internet que le président Hollande, en 2011, s'est débarrassé de 600 millions de masques FFP2 destinés au personnel de santé et 800 millions de masques chirurgicaux destinés à toutes les autres professions en contact avec le public. Cette année-là, Xavier Bertrand était ministre de la Santé et la France possédait le plus gros stock au monde. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault décide alors que l'État ne s'occupera plus que des masques FFP2 pour les professionnels hospitaliers et qu'il abandonnera la gestion des autres masques chirurgicaux destinés aux autres professions en contact avec le public. C'est ce qu'écrit dans un rapport le sénateur Francis Delattre. Au fil des années, le stock stratégique a été utilisé sans avoir été renouvelé. C'est ce qui explique aujourd'hui le manque cruel de masques et la panique politique. Testez, testez, testez tous les cas suspects de Covid-19. La recommandation en forme de supplique du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire l'OMS, est-elle tombée dans l'oreille d'un gouvernement français sourd? Nous ne pourrons pas stopper cette pandémie si nous ne savons pas qui est infecté, ajoutait le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. C'était le 16 mars 2020. Notez que cela rejoint ce que dit le professeur Raoult. Déjà asséné depuis plusieurs semaines, ce message ne semblait pas jusqu'à présent avoir affecté le choix du gouvernement qui décida de ne tester que les cas sévères et les publics considérés prioritaires, comme les membres du personnel de santé présentant des symptômes ou des personnes déjà atteintes d'une pathologie, à raison de 5000 tests par jour. Mais était-ce réellement un choix ou un pis-aller? Il est difficile d'y voir clair d'une déclaration à l'autre du ministre de la Santé Olivier Véran ou du directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Mardi 24 mars 2020, l'avis du conseil scientifique du Covid-19, fort attendu sur ce point, n'a apporté ni indice ni éclaircissement. L'alternative d'une politique de dépistage à grande échelle et d'isolement des personnes détectées n'est pas pour l'instant réalisable à l'échelle nationale, s'est-il borné à déclarer. Donc, je me pose encore une question dont je n'ai pas la réponse. Il serait donc plus facile pour le gouvernement de confiner 67 millions de Français que de mettre en quarantaine les seules personnes affectées ayant été testées. Dans les pays et les régions où il a été réalisé, le testing systématique a montré qu'une proportion importante d'individus qui contractent le virus ne manifestent pas de symptômes ou des symptômes légers. Or, ces contaminés, invisibles, contribuent massivement à la dispersion du virus. Alors, pourquoi ne fait-on pas ces tests pour contenir la progression du Covid-19? La question figure dans nombre de critiques adressées au pouvoir public, mais aussi dans les esprits des Français confinés.
Le gouvernement semble désormais envisager une politique de dépistage massif afin de préparer la sortie du confinement d'ici à quelques semaines et d'éviter un rebond de l'épidémie. Encore faut-il qu'il s'en donne les moyens. Les sources de ce que je suis en train de vous dire sont dans un article du journal Le Monde publié le 25 mars 2020. Je n'ai strictement rien inventé. Je constate que la logique du professeur Raoult est exactement la même. Tester tout le monde, soigner et confiner les malades et fiche la paix à 67 millions de Français. Parlons d'un sujet plutôt insolite si vous le voulez bien. Avez-vous remarqué que le prix du carburant baisse de manière spectaculaire? Que doit-on en penser? Moi, je me pose des questions. Est-ce parce qu'il n'y a presque plus de voitures dans les rues? La dernière fois que j'ai vu cela, c'était à 1,20€ le litre. C'est incroyable. Sachant que la crise des gilets jaunes a été déclenchée par le prix du diesel qui avait flambé à 1,70€, où on nous faisait croire qu'il était important d'augmenter les prix. Il semblerait donc que le gouvernement peut très facilement et sans problème baisser le prix du carburant. Je n'en sais rien, je me pose la question. Ce que je peux dire, c'est apparemment le seul point positif de cette période de marasme. Aurons-nous un retour de manivelle quand tout sera fini? Allez donc savoir. Peut-être qu'à la fin du confinement, il passera à 2€ pour rattraper le manque à gagner des pétroliers. Je n'affirme rien, je vous livre les résultats de mon enquête. Je suis comme vous, je me pose des questions. Doit-on culpabiliser d'avoir une intelligence normale? Je sais que la vôtre n'est pas en hibernation, contrairement à ce que peuvent supposer nos hommes politiques. Je n'affirme rien, je ne cherche à convaincre personne. Je fais juste fonctionner mon intelligence, tout comme vous. Peut-être que le peuple, quand le moment sera venu, se souviendra de tout. Ne vous laissez pas abuser. Quelles sont nos capacités de supporter l'insupportable? Tiens, encore une question. Partagez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose et prenez soin de vous.